Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 11 janvier 2024. C'est parti! Alors, nous avons l'espoir, l'été. Je me demande si ça fait pas écho un petit peu à un projet, parce qu'on a quand même pas mal de fois, je trouve, cette semaine, la carte de l'été qui saute comme ça. Je me demande si on ne nous donne pas un timing, vous voyez, genre, fait, et peut-être que la fin, l'aboutissement, etc., ce sera cet été. Nous avons l'amour et la protection. C'est vrai qu'au niveau sentimental, l'année 8, elle va tellement vite, elle n'est pas forcément propice à se poser, je veux dire... si, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un dans l'année, c'est pas forcément, alors la gestation, c'est pas forcément propice à construire quelque chose tout de suite, là, vite, vite, vite. Il faut pas, en fait, parce que ça va tellement vite qu'on, en fait, on se poserait et finalement, on se séparerait presque aussi vite si on ne fait pas attention. Par contre, si on est sur une relation qui a commencé en 2023 et qui perdure en 2024 et que d'un seul coup, on a envie, là, de vivre ensemble parce qu'on sent que c'est le moment, parce qu'on est poussé en avant, parce qu'on n'a pas envie d'attendre, machin. Là, par contre, ouais, ça peut donner. Ça peut être pas mal, en fait. Hein. Voilà. Elle n'est pas forcément propice, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'année, les choses vont tellement vite que c'est pas forcément propice pour se poser, sauf si on a commencé avant. Et que là, en fait, on a... voilà, mais que ce soit sentimentalement, professionnellement... voilà, c'est... C'est pas une année de long terme, puisque c'est une année karmique. Donc en fait, c'est action-réaction, mais en même temps, chaque action amènera une réaction. Donc potentiellement, voilà, ça peut annuler la première, quoi. Donc nous avons l'espoir, encore une fois, disons. Le savoir. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que, en tout cas, dans ce début 2024, on nous demande de vivre l'instant présent. On nous dit... Arrête de projeter, tu travailles, tu projettes, tu structures pour, comment dire, pour un moment où tu ne sais même pas si tu voudras toujours ça. Donc, vas-y pas à pas, fais-le par palier, voilà. J'ai l'impression que c'est ce que ça nous dit. Vis l'instant et ne sois pas dans la privation pour un peut-être éventuellement un futur meilleur, éventuellement. L'automne, l'arbre Bacchus. Ça fait beaucoup. Alors. Décidément. La solidarité. Ça fait beaucoup, hein, donc j'ai arrêté de... Je coupe. La gestation et la protection. Quoi qu'il soit en train de naître en ce moment... Ça ira bien. Quoi que nous ayons envie de changer, quoi que nous ayons envie de mettre en place, quoi que nous ayons envie de structurer, quoi que nous ayons envie de créer, ça ira bien. Voilà. Alors, hop. On en a eu deux. Nous avons Yule. Bah, on en sort, hein, les gars. Faut se réveiller. Et puis Scorpion avec affirmation, tendresse, loyauté et volonté. Je pense qu'on peut prendre les quatre mots. Voilà, je pense que, comme je vous disais, il y a une forme de protection, tout ira très bien. Je pense que le fait d'affirmer que les choses iront bien, d'affirmer que il y a une forme de magie de l'univers qui nous tend les bras, qui nous embrasse, qui nous pousse à faire les choses... tranquillement, vous voyez, sans brusquerie, tout en restant fidèle à nos projets et en cultivant la détermination et la volonté, mais sans se faire de bobo, c'est voilà, c'est le message. Mais je vous ai dit, ça va tourner autour de ça toute cette semaine. J'ai pas l'impression que ce soit que pour aujourd'hui, même si aujourd'hui on nous donne ça particulièrement. J'ai l'impression que c'est un truc qui va nous suivre toute cette semaine, hein. Donc le signe, la maison, l'anneau, l'homme, la souris, le serpent. Ça fait un peu beaucoup.
Clément. Le cavalier, c'est retourné dedans. Alors, nous avons le bateau. Oh, et la cigogne. Mouvement, 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 changement aujourd'hui. Ça va bouger. Voilà. Alors, nous allons avoir l'homme, pierre du concret. Hein. Le nuage. Au centre, l'enfant. Le trèfle. Et le chien. Je vous parlais de fidélité, de loyauté. On a le chien. On a la magie de Yule, machin. On a le trèfle. Le renouveau avec l'enfant et la gestation. Voilà quoi. Hein, c'est plutôt positif là. Bon, on nous parle d'une journée dans le concret, d'un renouveau concret dont on ne saura pas tellement, on est un peu dans le brouillard. Qui dit renouveau dit on ne sait pas trop où ça nous mène, ce que ça peut apporter, etc. On nous dit ne t'inquiète pas, parce que les nouvelles, ou en tout cas les trucs que tu peux entendre de changements concrets aujourd'hui, surtout dans la coupe, hein, avec le bateau, la cigogne, voilà, en fait tout ça, c'est pour du positif et ça ne te fera pas de mal. Voilà. C'est plutôt dans le bon sens. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'homme par la maison, le nuage par les oiseaux, l'enfant par le cœur, le trèfle par la femme et le chien par l'encre. Écoutez, moi dans cette deuxième ligne, c'est un peu comme la première. Là, on nous dit, en fait, on aura un émotionnel peut-être aujourd'hui un peu plus apaisé quand même. Hein. Un peu plus stabilisé, je dirais, par les choses concrètes dont on sent qu'elles vont dans le bon sens. Vous voyez, avec la maison et les oiseaux, moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir de bonnes nouvelles à la maison. Pas forcément des nouvelles officielles, pas forcément un truc... certains encore, mais en tout cas un truc qui semble aller dans le bon sens. On va recouvrir les oiseaux par le jardin, venant plutôt de l'extérieur. J'ai envie de recouvrir le jardin quand même. Ouais, plutôt de l'extérieur et plutôt comme un investissement, un engagement, quelque chose comme ça, dont on ne sait pas trop encore quels seront les tenants et les aboutissants, mais qui semble quand même être... pas un, il n'y a pas un gros danger, il n'y a pas un gros risque, vous voyez. Il y a plutôt un truc, je dirais, qui s'ancre et dont on prend conscience que c'est en train de s'ancrer et que du coup ça stabilise notre état émotionnel. Voilà. Aujourd'hui, il y a une forme de stabilisation. On prend conscience que effectivement, on n'est pas seul, on est accompagné, ça va le faire. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme et la maison. Moi je dirais quand même que c'est plutôt d'ordre concret à la maison, peut-être du financier ou du planning ou du de l'organisation, soit dans notre fort intérieur, c'est-à-dire comment je vais faire concrètement pour, ou soit dans notre foyer, concrètement qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Aujourd'hui je pense que au fur et à mesure de la journée, on va lever le voile, mais c'est par la discussion et c'est par peut-être la délégation vers l'extérieur. Vous voyez, je m'engage à demander à l'extérieur et je prends sur moi pour demander à l'extérieur pour, voilà, que ce soit faire une recherche sur Google, hein, de comment concrètement je peux faire ci, comment je peux faire ça, ou d'aller demander à Pierre, Paul ou Jacques dans la communauté, savoir si on peut trouver de l'aide. Il y a au centre du tirage le renouveau, enfin l'enfant et le cœur. Il y a un vrai renouveau émotionnel, il y a quelque chose, je pense qu'on trouvera une réponse positive, parce que l'anneau c'est aussi le oui, hein, on trouvera une réponse positive qui nous donnera finalement les clés pour aller vers un apaisement émotionnel par ce renouveau. On aura la sensation d'avoir eu de la chance, d'avoir eu de la chance, voilà. Et ça sera assez doux pour pouvoir ancrer ça en nous. C'est une journée d'ancrage de positivité. Alors, allons voir avec les messages essentiels. Mais ben là, ça fait quand même un petit peu beaucoup, hein. Alors, ben voilà. Si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir ? Voilà, voilà.
Donc écoutez, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous pour vous aider à ne serait-ce qu'à comprendre quelque chose ou pour vous aider à une tâche bien précise. Mais n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut !